Ve. Ben, on va faire la... Donc, bah, on va faire l'appel, mais j'essaie que... Essayez d'être présent, faites présentation. J'ai beau voir le courrier combien. Donc, je connais le cours de diabète concernant décompensation hyperosmolaire. Il y a un screech. Allô? 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 Anra? Allô? Oui, madame Karine. Oui, très bien. Mortal, t'as un tacral cas clinique l'Oulani? T'as un tacral à haute voix? Allô? Mortal? Ben, madame la Sabat. Ben, y'a à haute voix, ben. Patiente âgée de 72 ans, conduite aux urgences au cours du mois du Ramadan dans un coma avec tableau de déshydratation globale. Histoire de la maladie, interrogatoire du mari révélé. Patiente hypertendue depuis 10 ans sous diurélix, T'as fait choix du un relique, c'est comprimé mortel ou aller? sulfamide. C'est un diurétique. Durilix, c'est un diurétique thiazidique. Diurétique de lance, de lance. D'accord. Ben, Allez. Adalate, un Ouais. comprimé fois deux par jour. Diurétique depuis. Diabétique Adalat, depuis toujours à l'Adalat, 4 ans. il y a mortal. Allez, madame. C'est un inhibiteur calcique. Ouais. Diabétique depuis 4 ans, mal équilibré sous glucophage. Glycémie à jeun entre 12 et 15 millimoles par litre. Hospitalisé cette semaine plutôt en orthopédie pour fracture du col du fémur. Elle a décidé de jeûner Ramadan depuis une semaine sans avoir préalablement consulté son médecin traitant. À l'examen. Examen physique, coma à Glasgow à 12. Langue sèche cutanée persistante, température à 37,5. Tension artérielle 10, 6 pouces, 110 battements par minute, respiration calme, fréquence respiratoire à 18 cycles par minute, abdomen souple non douloureux, plaie chirurgicale de la hanche cicatrisée. Examen des urines, glycosurie 4 Quatre couloirs, carreaux, acétone acétonurie, pas d'acétonurie. très bien. Mais à la L'exploration biologie. de glycémie à 44 millimoles par litre, créate à 180, urée à 14,2 millimoles par litre, et hématocrite à 65, 57. natrémie à 57, natrémie à 143, kaliémie 3,8, chlorure Mais à 100 l'équivalent, mais c'est le millilitres mini équivalent. équivalent par litre. Bicarbonate à 17 milliéquivalents par litre, enzyme cardiaque normale, ECG rythme sinusal à 110 cycles par minute, sans autre anomalie électrique, ECBU négatif, radio de thorax normal. Donc, de quelles Elle continue. complications métaboliques présente cette patiente et vous allez réunir les arguments cliniques et paracliniques permettant de détailler ce diagnostic. Donc, là, genre l'observation. Donc, quelles complications a l'hémorragie? C'est un coma hyper osmolaire, non cétosique. Ben, c'est un coma hyperosmolaire non cétosique. Anram, pourquoi on a opté vers ce diagnostic, Anram? Allô? Bourane, oui. Bourane, oui, c'est ça? Allô? Radim Bab, je note la présence en fonction des litkalmoura. Tawa Karim, tawa par exemple, le bah la présence intérieure. Eli Mahdarash, on m'a smart touch de calam zaï, mais je note la présence intérieure. Allô?
Anram. Madame Sirine. Merci. Jobin. Oui, Sirine. Sirine. Je vois les arguments en faveur de la décompensation hétérosmolaire. Tableau de déshydratation. Cliniquement, qui fait ça? Très bien. Hein? Une hypotension, une Oui. langue sèche, plis cutanée, pardon, persistant. Persistant, Sahit, hein? À la bandelette urinaire, on a une glycosurie sans acétonurie. Très bien. Et sur le plan clinique, il y a Cyril. Sur le plan biologique, je connais Bad Céline, il n'a jamais joué. On a la liste des noms. On comme l'appel. Non, on dit la liste. Je connais, il n'a jamais joué. Sur le plan biologique, comment on va confirmer cette décompensation, ce diagnostic? Qu'est-ce qu'on doit faire, Tawa, pour confirmer que c'est une décompensation hétérosmolaire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Sur le plan biologique, Lena. Allez-y. Allô? Céline, t'as juste Kamel la réponse, t'es à En calcul, je me Oui. la reconnais. D'accord. En calcul, je qu'on calme, t'as. En calcul quoi? Je me l'arrêter. Je qu'on dit calme. En rame. Merci. C'est qui? Sarah. Oui, Sarah. Donc, vous avez dit qu'on va calculer l'osmolarité. Là, j'aime trop dit comment on calcule l'osmolarité, Sarah. 2 Na plus, plus 10, plus la glycémie. Et plus urée. Ben, très bien. Tu sais ça, Sarah. Ben. Donc, c'est une complication hyperosmolaire à la khatar. Donc, Anne. Donc, c'est un coma hyperosmolaire, altération de l'état de conscience avec un état de déshydratation globale qui m'a comme. Donc, le Glasgow, il est à 12, la langue, elle est sèche avec un pli cutané persistant, une tension artérielle à 10-6. Donc, la respiration, elle est calme, en contradiction avec la respiration qui est rapide et ample. Elle fait des compensations acétocytosiques. À l'examen des urines, glucosurie 4 croix et pas d'acétonurie. Donc, la définition de coma hyperosmolaire, c'est des troubles de conscience avec une osmolarité qui dépasse 320 milliosmoles par litre et une glycémie qui est franchement élevée, supérieure à 6 grammes. Fait une glycémie high avec un pH à 7,3, un pH qui est normal, supérieur à 7,3. Donc, sur le plan biologique, l'exploration montre une glycémie à 44 millimoles. Donc, c'est une hyperglycémie majeure. Je crois qu'on fait le créate à 180 avec l'urée à 14,2. Je crois qu'on fait un. Sar. Et quoi si on va L'acidose interpréter ça? métabolique. Je crois que l'immortel. L'acidose métabolique. Créate, Insuffisance rénale fonctionnelle. Très bien, c'est une insuffisance rénale fonctionnelle. Bad Yasser, l'hématocrite à 57. Comment on va interpréter ça? C'est C'est une une. hémoconcentration. Très bien, très bien. Madame Ena Anra Mouchsar. Alhamdoulilah, très bien. Donc, c'est une insuffisance rénale fonctionnelle, c'est une hémoconcentration. On va calculer l'osmolarité qui m'a dit Sahbetkom et elle est à 351. Donc, c'est deux fois Na plus plus K plus glycémie plus urée. D'accord? Wadaha. Donc, il y a la formule. C'est une hyperosmolarité plasmatique, vu que l'osmolarité, elle est supérieure à 320 milliosmoles par litre. Ça va, Walé? Mais quels sont les facteurs ayant favorisé cette complication? Je nomme les facteurs qui ont favorisé. Insaf, femme, Insaf. يا انصاف معانا ولا ايه؟ بلقيس ادم ولا وائل باهي فينا الموكن هذوما اللي موجودين ادي تكلموا هذوك هما اللي
كي سون بريزون باه نكملوا مش مشكله ما عنديش مشكله نكمل مع اربعه من الناس هاي مختار تجب تقول لي شنو ما لي فاكتور غيون فابوريزي سيت كومبليكاسيون Premièrement, la prise de diurétique pour l'hypertension. Ou le facteur, le deuxième facteur, c'est le jeûne de Ramadan. En plus, la sédentarité, une diminution de l'apport hydrique. Et c'est surtout mais la complication d'un type hyperosmolaire, c'est dit le kbar fi l'omar ou l'amd zghar l'aktharia. عند الكبار في العمر اللي زاجي ولي تاغي صحيت دونك اول حاجه سي لو سوجي اجي اي جينيرالمون ان سوجي اجي كي ديجا معناها تاغي عنده دي كومبليكاسيون سور لو بلان كيما قلت انت سيدونتير مي احسن من سيدونتير سيدونتاريتي نقولوا العبد ما يتحركش مي اون فادير كو ايلي ديبوندون دوتر بيرسون ايلي اون هانديكاب اش معناها معناها نحب نقول اللي que ce soit un handicap physique ou un mental. Parce que le problème, c'est qu'on va faire la réhydratation. Parce que le problème, c'est qu'on va faire la réhydratation. Donc, c'est la réhydratation. Oui. Donc, c'est la réhydratation. Et quand on a une douche, la possibilité de faire une réhydratation, donc ça va donner une... Ça va donner ces complications-là. D'accord? Donc, معناها les facteurs favorisants. Donc, أول حاجة كيما قلت أنت, c'est sujet âgé, taré. En plus, فما حاجة أخرى اللي إحنا قاعدين نعيشوا فيها تو وهما عندهم. أنت ما جبتهاش تو. قاعدين نعيشوا. يا مختار, فما أن أوتر فاكتور. تسمع فيا ولا لا؟ Les infections, لا, حاجة أخرى. قلت لي انت الديوريتيك سوجي اجي تاري كيما قلت عندها السوجي اجي هذا عنده اون اوتر تار اللي باش تخلي اونديكابي اش عندها في ليكزامان ماش في لاكتوت ها فراكتور صحيت فراكتور باش تردها اونديكابي دونك الي الا بيزوان دون تيرس بيرسون داكور اي مختار بي سينو فما ان اوتر فاكتور اللي هو Le jeûne de Ramadan, c'est tout. Hein? Donc, est-ce que probablement c'est une personne qui a fait le jeûne de Ramadan sans qu'elle soit évaluée avant le jeûne. Alors, normalement, avant de faire le jeûne, il y a une évaluation qui doit être faite par cette évaluation doit être faite par son médecin traitant. D'accord? Oui, madame. Mais, donc c'est une personne âgée, elle est sous diurétique, elle a un diabète déjà qui est déséquilibré, donc normalement avec un diabète déséquilibré ou sous diurétique, mais c'est sous Ramadan, elle a fait le jeûne ou elle a une fracture de col de fémur, donc elle a un handicap physique, d'accord? Donc les facteurs favorisant la décompensation hyperosmolaire, donc awal haja c'est le terrain, c'est un terrain particulier, c'est généralement des sujets âgés, qui vivent seuls ou qui sont allaités, qui présentent un handicap, que ce soit physique ou mental. Donc, par exemple, qui la fracture de col de fémur, un AVC, un handicap mental, par exemple, démence ou la maladie d'Alzheimer. Donc, ce qui va entraîner une diminution de besoins ou la nécessité d'une tierce personne pour compenser les pertes. En plus, les sujets âgés, la sensation de soif chez les sujets âgés, elle est diminuée. Donc, avec Arlèche, les sujets âgés, risquent de déshydratation, la sensation de soif. D'accord ? En plus, il me dit, donc, prises médicamenteuses, donc telles que les diurétiques ou les corticoïdes, le jeûne de Ramadan, donc l'absence d'apport hydrique lié au jeûne de Ramadan, et on peut trouver d'autres facteurs, par exemple une infection associée, des vomissements qui vont augmenter les pertes hydriques, tels que on a des vomissements, des diarrhées, un coup de chaleur, par exemple, une période estivale, donc femme à risque de perte assez importante, ce qui va entraîner une déshydratation et
aggraver cette déshydratation et entraîner un, donc le diagnostic de coma et l'autofirabimba décès. Quelle est la conduite thérapeutique chez cette patiente? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Ben, tawal bchi jawabni bchi yatini les volets thérapeutiques, معناها sur le plan, معناها stratégie thérapeutique chnou bchi namlha. Mais غير ما yatini les détails. بعد on va parler de détails. D'accord? Madame, tafadal chkoun? Ana Rim. Ana Rim. Ay. Hospitalisation en urgence. Oui, soir. Mise en condition du patient. Très bien. Réhydratation et correction des troubles hydroélectrolytiques. Réhydratation et correction des troubles électrolytiques, potassium. Et l'unothérapie. Ben, très bien. Ça, jusqu'à maintenant, ça va. Mais est-ce qu'il y a d'autres volets qui sont arrivés à l'hôpital? Madame. Je ne sais pas si tu veux parler. Chaïma. Ah, yes, Chaïma. Très bien. Ah, yes, Chaïma. Le traitement du facteur déclenchant. Très bien. Allez, où est-ce qu'est-ce qu'on doit chercher? Oui. Une autre. Pour faciliter les choses, Anarim, elle a oublié trois grands volets, les qui sont très importants dans la prise en charge de cette patiente. Donc, une petite à la wahed, donc la prise en charge de facteurs déclenchants. D'ailleurs, on doit chercher un facteur qui est à l'origine de cette complication, donc qui a aggravé la déshydratation et qui est à l'origine de cette décompensation. Thromboprophylaxie. Avec un mot féminin, fille, à la chèvre. Hakina Bakri, on a fait une déshydratation, donc une augmentation de la viscosité sanguine. Mais sous elle, le diurétique. Ça me préoccupe. On va arrêter le diurétique, mais un autre facteur qui est plus grave, si on n'arrive pas à le réguler, on risquera d'aggraver l'état de la patiente ou elle, la décompensation, elle ne va pas se résoudre. D'accord? Il y a mortal. Un autre facteur. L'insuffisance rénale, madame. On va le l'insuffisance rénale, c'est une insuffisance rénale généralement fonctionnelle. Il suffit de faire la réhydratation et tout va rentrer dans l'ordre. D'accord? Une chose importante. Elle insiste à un arim qui a parlé de les stratégies thérapeutiques. La surveillance. La surveillance, mais tu fais mine avec un bar. Je connais qu'un petit samarit, mais je m'attends surtout à un mal. Moi, je m'en. Allô? اللي قال سيرفيونس مش انا مدمش اي نعرف فما شكون نتكلم نحب نعرف شكون وبرا باش نعرف من بعد في البريزونس بي مش مشكله ان توكا سيرفيونس سي فون فيني ها اسامه غير لابليكاسيون تكون اسامه تري بيان لا سيرفيونس سي ان فولي تري امبورطون بور لو سويفي دو باسيونت مي حاجه اخرى تري امبورطون il faut pas l'oublier c'est très important allô madame تفضل شكون يطلب في البارول تفضل بلقيس مدام مدام اون فيت قبل راه الميكرو نتاعي ما يخدمش كنت نكتب في الشات معناها وماسكي بالي ما كانش نشوفو فاي بلقيس انا رافيك ايضا مدام الانسولينو ثيرابي قالتها هي الانسولين قالت لنا فما حاجه اخرى امبورطونت يا بلقيس حاجه اخرى سي اون لا جيغول با وشفتوها المره اللي فاتت زاده في الكور نتاع ديكومبونساسيون ايبيروسمول سيتوزيك مع دكتور راويد الدبابي Madame, le coma. C'est le traitement du facteur déclenchant. Probablement, il y a une femme une infection. Je me vais rouge barcha wakt. Il y a une femme une infection. Une infection urinaire. Ou une infection bronchique. Ou un facteur déclenchant. Je me trouve un accident cardiovasculaire, par exemple un EDM, un AVC. Donc, il faut chercher le facteur déclenchant. L'accident aigu qui a bouleverser toute cette situation clinique qui a déclenché cette décompensation. Madame, dans ce cas, l'arrêt diurétique ou le traitement de facteur déclenchant? Le diurétique, c'est un facteur. Normalement, on devrait agir en prévention pour que la décompensation m'attache. Mais généralement, il y a un effet diurétique, comment ramener cette complication type hyperosmolaire. Hakka walla عندها قداش من عام تاخذ في ديوريتيك مي وقتاش هي elle a fait une décompensation وقت اللي صامت donc فما le jeûne de Ramadan donc on doit arrêter le jeûne
Donc, il y a plusieurs facteurs associés. Le jeûne, le fait qu'il y a une chauffe sur le mets, le fait qu'il y a théorie diurétique, le fait que le diabète a déjà d'emblée été déséquilibré. Et de plus, il y a un autre facteur probablement qui a aggravé tout ce tableau clinique. Probablement, mais on doit creuser, on doit chercher ce facteur. Elle est voit probablement, soit c'est une infection ou elle a un accident cardiovasculaire. D'accord ? Il ne faut pas passer à côté d'une cause qui est haka, et si on ne va pas traiter cette cause, la décompensation, elle va persister. Mais donc, qui m'a tout donc hospitalisation, mise en condition du patient, réhydratation, collection des troubles électrolytiques, l'insulinothérapie, cinquièmement, le traitement de facteurs déclenchants. On a le facteur déclenchant, on a une infection, on a un accident cardiovasculaire, la thrombophylaxie, qui est ma et nursing, surtout, il y a un sujet âgé, alité, donc changement de position, et on doit surveiller. B. Concernant donc, la conduite hospitalisation, je vais mise en condition du patient, un arrive, qu'est-ce qu'on va faire pour la patiente, le conditionnement? Anarim. Marana, olé. Allô? Djaoub, madame. Fadal, Djaoub, docteur. Les voix d'abord. Voix d'abord, chouer. Scope. Ouais. Chouer, Anarim. Madame, remplissage vasculaire. Les rades, on a besoin de faire le conditionnement. Le remplissage, c'est par l'hydratation. Sonde bancale ou sondage, sonde gastrique ou sonde vésicale. Et dès qu'on a un aboutissement, on a le sonde gastrique. Et dès qu'on a la patiente, elle ne peut pas se déplacer, on va faire une sonde urinaire pour surtout surveiller la diurèse. On va faire le remplissage. D'accord ? Ben, très bien. Pour la réhydratation, donc, on va utiliser. Mais par quelle solité, ça n'a ça ? Comment on va faire la réhydratation, Belle Colchevain? Comment on va faire la réhydratation? Oussem? Perfusion par le sérum salé. Qui dit que si on fait examen, je trouve le sérum salé, il y a quelqu'un, Kao? Tu dois extraire l'infirmière en terre. Je trouve les solutions salées, je trouve les canaux au malin. Isotonique à 9 sur 1000. Donc sérum physiologique 9 pour 1000. Très bien. B. Mané, je te crois à la tour, identifié 9 pour 1000, les niens. Pourquoi dis-je que je suis entier? Le maralou, on a fait 2 litres pendant les 2 premières heures. On a fait le torse. La quantité. En fait, la réhydratation, elle est en fonction de l'état de la patiente, en fonction de son état cardiaque, son état rénal. Et donc, meloul et vekeni déshydraté avec un état de choc, on peut donner d'emblée donc, le plasma jet, des macromolécules. D'accord ? Donc, la collection, solution de perfusion, remplissage par macromolécules, meloul et vekeni malade, elle est en état de choc. Puis, on va donner le sérum salé à 9 pour 1000, 1 à 2 litres au cours des 2 premières heures, puis 1 litre toutes les 4 heures. Donc, soit 6 à 8 litres pendant les 8 premières heures, puis on va réduire le débit de perfusion. Le relais s'est fait par le sérum glucosé à 5% si la glycémie elle est inférieure à 2,5. Quand on a fait les perfusions osmolaires, la glycémie elle est très élevée, supérieure à 6 grammes. Donc, si elle est inférieure à 2,5, on va changer vers le sérum glucosé 5% enrichi en NaCl. D'accord ? Donc, il ne faut pas oublier l'apport de potassium. Donc, on va donner de KCl d'emblée ou après la première heure de réhydratation, sauf avec le mélide interne rando une oligoanurie, donc forme un risque d'insuffisance rénale grave. Si on va donner encore plus de potassium, on va aggraver la situation. Donc, c'est pour cela qu'on va faire la surveillance par rhinogramme et ECG. Ben, l'insuline, comment on va donner l'insuline et par quelle voie?
Allô? Intraveineuse. Hein? Insuline rapide. Très bien. Donc, on va donner des bolus intraveineux d'insuline rapide, 10 unités d'insuline rapide, donc de 0,05 à 0,2 unités kilo. Puis, on va faire une perfusion continue, donc de 0,1 unité kilo, ou en intraveineuse horaire de 3 à 5 unités par heure. Manef, surtout une pousseringue électrique, on va donner 3 à 5 unités par heure. Donc, d'accord? La diminution des chiffres glycémiques doit être progressive pour prévenir le risque de dette cérébrale. Donc, allez, tu vas te dire, Oussama, je t'aime. Oussama, la perfusion continue, il y a 0,05 unités par kilogramme ou لا 0.1 يونيتي بار كيلو هي البرفيزيون كونتينيو والا نعطي 3 5 يونيتي كل ساعه نعطي 3 5 يونيتي تقعد معناها لا بوسوراك تمشي واضح تمشي 5 يونيتي اور معناها بي علاش il faut pas donner des grandes doses خاطر si on va معناها diminuer rapidement les chiffres glycémiques on peut entraîner donc un œdème cérébral qui peut être fatal pour la patiente d'accord donc معناها ما يجيش اني المريضة نتاعي عندها سي جرام بعد ثلاثة سوايع ولا ساعتين نلقاها في الانجرام دونك فما ريسك كبير باش تعمل لها نودام سيريبرال دونك لا ديمينيسيون سو في بروغريسيفمون داكوغ معناها مثلا اني بعد ساعتين نلقاها 4 جرام بالعكس باهي مش خايب وبعد ساعتين اخرين تهبط لي لل 3 جرام ولا بعد 2 جرام سي بون اما لو فيت اني في ثلاثة سوايع ولا في أربعة سوايع غابيدمون نهبطها من 6 جرامات ولا أكثر الانجرام فما ريسك دو دام سيريبرال D'accord. Madame, par quel mécanisme il génère l'œdème cérébral? À la fois, il y a un mécanisme d'osmolarité. L'eau va... Il y a un mécanisme de façon très importante. Il y a un passage d'eau, un enjeu d'eau du milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire. Donc, il y a un risque important de passage d'eau. Mais sinon, on va traiter les autres facteurs qui marquent, par exemple, une infection. On va arrêter les diurétiques. Bien sûr, elle va arrêter le jeûne. On va donner un traitement thrombophylaxique avec mesure de nursing. Donc, l'hémide, elle doit changer de position pour éviter les escarres. Comme l'allège, l'héparine, parce que c'est une patiente, elle est à une déshydratation, donc une augmentation de la viscosité sanguine. Et donc, femme a un risque important de thrombose. Et en plus, elle est allaitée. Donc, changement de position toutes les 3 heures. Éventuellement, matelas anti-escar. Renaissance gastrique, soins d'hygiène, kinésithérapie, idéken, ça nécessite. La surveillance. Comment on va assurer la surveillance? Quels sont les paramètres à surveiller sur le plan clinique ou à la biologique? شكون ينجم يجاوب؟ والله مدام تفضل شكون معايا؟ عمران موسى اي سي موسى تفضل on va surveiller le pouls, rythme respiratoire. Très bien, hein? Diurèse. Oui, la diurèse. شنو آخر يا موسى؟ tension. Oui, tension. Glycémie. Comment on va faire la glycémie, Moussa, la surveillance glycémique? Qu'est-ce que tu as Moussa, comment on va faire la surveillance? Surveillance glycémique. Ouais. Par quel moyen? Dextro. صحيح ديكسترو دونك سي لو بلو سامبل سي دو فير لو ديكسترو فهمت حاجه اخرى شاك توت لي 4 اور زاد نعملو بليسيمي او لابوراتوار والا شنو اخر في لابوراتوار سي تري امبورطون دو لو فير مدام ايونو عبد المولى شكون اللي معايا تو عبد المولى ونيس شكون عبد المولى ايناس عبد المولى ايناس وي مدام عبد المولى ايناس باهي إيمان تفضل إيمان شو تحب تقول؟ نعملوا إيونوغرام سانغان
Très bien, nestana fi. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qu'elle dit la patiente? Je crois que nous sommes bekri. Elle risque? Je crois que donc le dème cérébral, comment il va se manifester cliniquement? Qu'est-ce qu'on doit surveiller, Zeda? L'état de conscience. Et la diurèse. Donc l'état de conscience et la diurèse. Donc on va surveiller la diurèse pour savoir est-ce que l'apport interne, l'entrée ou la sortie, on va surveiller l'entrée et la sortie donc, de liquide. Donc un troisième secteur. Donc, c'est important de surveiller l'onogramme qui m'a fait comme toutes les 4 heures. Éventuellement, on demande une. On demande d'effectuer un ECG. Donc, il y a quand même un trouble sur le plan, par exemple, l'alcoolémie. Donc, on va trouver des signes électriques. Quand la femme risque de surcharge, donc sur le plan clinique, qu'est-ce que ça va donner, surcharge? OAP. Donc, à la surveillance, qu'est-ce qu'on va faire? L'examen cardio-pulmonaire. C'est surtout l'auscultation. Mais, qui m'a dit qu'on va surveillance horaire et surveillance toutes les 4 heures. Toutes les heures, on va surveiller le pouls, rythme respiratoire, la tension, l'état de conscience, la diurèse et la glycémie capillaire. Toutes les 4 heures, on va surveiller la température, éventuellement, tâche qu'on a une infection qui se déclare après. Donc, on va faire une auscultation cardio-pulmonaire. On demandera une glycémie au laboratoire. On fera un ionogramme sanguin et on va calculer l'osmolarité. On va voir est-ce que est-ce qu'il y a une amélioration sur le plan. Donc, osmolarité ou elle est. Éventuellement, il y a un format trouble. Donc, éventuellement, il y a un format un trouble ionique, il peut se manifester par des troubles électriques à le sujet. Comment on peut prévenir cette complication? Aïe, je connais jamais jawabna. احنا قلنا شويه راه من بكري نحكيو حكينا على البريفونسيون شكون ينجم يجاوبنا مدام تفضل شكون بلقيس بلقيس تفضل بلقيس on peut dépister les hyperglycémies et éduquer l'entourage du patient malade très bien شمعنى تقصد dépister قلت لي hyperglycémie شمعنى هي بلسم ولا بلقيس مدام chez les sujets âgés généralement le diabète نتاعهم يكون négligé ou mal équilibré معناها انت تحب تقول en autre sorte il faut surveiller la glycémie donc معناها il faut insister sur une surveillance régulière donc de la glycémie à domicile glycémie capillaire normalement, l'isme qu'on a un glucomètre et faire la surveillance. Et aussi, elle doit consulter son médecin et faire un bilan et une surveillance toutes les trois mois ou à la 6 mois au cas par cas. D'accord? D'accord, voilà que je trouve, il y a balsa. Donc, il faut qu'elle ait une surveillance glycémique et elle doit suivre et elle doit être observante. Donc, il y a une chose. Et l'éducation de l'entourage. Donc, et si tu insistes sur l'entourage, allez, j'y abalsa, balqis. Parce que, madame, pour les sujets âgés, les facteurs de déshydratation, on est un barche. Donc, l'entourage, il insiste acte pour faire boire le patient. Très bien. En fait, elle est contre, mais l'argument, ce n'est pas vraiment ça. C'est justement qui m'a rappelé qu'on peut créer le sujet âgé, la sensation de soif à un sujet âgé, elle est diminuée, elle est faible. Donc, c'est très important de faire participer l'entourage dans cette prise en charge. À la fin, le sujet âgé, il oublie de boire de l'eau. Donc, l'entourage interne, il fait que la sensation de soif elle est diminuée. Très bien. Ça me chose importante. Éviter les diurétiques et les corticoïdes. Très bien, Mokhtar.
ميرسي. سينو فماش دوتر رمارك قلت تاني بكري ما نحبكم توا تعاودوا تقولوها لي نتوما. Traiter toute cause de déshydratation. Oui, bien sûr. Donc et bien sûr, on peut et même prévenir. Normalement, un sujet âgé, mais femme, j'allais, bien sûr, quand maintenant, il y a un climat très très chaud, par exemple. Mais quand tu fais chams, maintenant, pour éviter le coup de soleil ou quelque chose d'autre. Mais chose autre importante, اللي احنا توا فيها توا في رمضان احنا توا. Donc, un patient diabétique, avant de faire le ramadan, avant de faire le jeûne de ramadan, il doit bénéficier d'une évaluation de risque. Je m'en ai dit. Un patient, il doit consulter son médecin et une évaluation, enfin, un score. En fonction de ce score-là, il n'a jamais eu le lien, je me suis dit, je me suis dit. Ce score-là, il tiendra compte de type de diabète, de l'ancienneté de diabète, de complications associées, par exemple, qui m'encoule l'insuffisance rénale, des cas d'insuffisance rénale, bien sûr, on a jamais fait soum, comorbidité, l'atteinte cardiaque, accident cardiovasculaire, on a jamais fait soum, donc le climat, في طقس سخون برشا كيما حنا تو سخانه ومعناها و والاوغير دو جي دو جون اكثر من 15 اور مي معناها يولي فيه ريسك عليه لو تيب دو بروتوكول اللي يستعمل فيه لو شيما ثيرابوتيك اللي يستعمل فيه ان شيما بازال بولوس نورمالمون ما نجمش يصوم تيب دانسولين الانسولين انالوج فما اقل ريسك دو ديبوغليسيمي والانسولين هيومين فما اكثر ريسك ديبوغليسيمي. Est-ce qu'il a fait des complications type hyperosmolaire ou la cytose ou elle a, il a fait des hypoglycémies fil 3 ou la 6 mois les 3 ou la dernier ou la 3 ou la les 6 derniers mois l'chrénine. Donc qu'allez-je bestir une évaluation et en fonction de cette évaluation on fait un score en fonction de ce score là on coule le médicament mis sur moi. Donc en quelque sorte il faut dire que un patient diabétique mais moi je suis sans qu'il y ait consulté son médecin traitant et demandé l'avis de son médecin. D'accord? Bien sûr, on doit insister sur l'équilibre glycémique et bien sûr faire le plus tôt possible donc, cette évaluation. Madame? Non? Allez, je crois que l'insuline analogue fait moins de risque d'hypoglycémie par rapport à l'insuline humaine. على خاطر انتم ما قريتوش الكور نتاع الديابيت نتاعكم مش في الكور نتاع الديابيت اللي لي انالوج دانسولين هما شنو هما لي زافونتاج نتاع لي انالوج دانسولين سي لو ريسك كي ديمينيي ديبوغليسيمي اقل ريسك بارابور على الانسولين هومين خاطر كي تشوف بار اكزامبل انت ارجع البوليكوبي نتاعك شوف اللانتوس شوف الكورب داكسيون نتاع اللانتوس باش تلقى اللي اللانتوس الكورب نتاعو دونك اللي بلات بارابور لل par rapport à l'insuline humaine. L'insuline humaine forme un pic. Le pic est régi par certaines, les fassouères, et ce pic-là, il peut entraîner une hypoglycémie. D'accord? Voilà. Et la durée d'action, les avantages, la durée d'action, donc sa durée d'action, c'est 24 heures. Par exemple, l'antus, glargine. L'analogue, l'insuline humaine, la durée d'action, c'est 12 heures. Donc, quand je suis en 7 ou 7, je suis en 7, 8, 8. D'accord, tu as ma fille en rame. Inès, on a une bonne éducation du patient, il peut, ça c'est secondaire. Bonne éducation pour le diabète, hein, Kawale? Et pour son traitement, s'il prend son traitement correctement. C'est l'observance. Avec l'observance thérapeutique, correctement. Et donc, par la suite, on aura un bon équilibre. Avec le diabète, il est déséquilibré. Donc, il ne pourra pas faire le jeûne. D'accord? En plus, on peut. Donc, sujet âgé ou alité ou alcool, donc on peut lui demander, donc on peut faire le passage à l'insuline le plus tôt possible pour éviter le risque osmolaire. On fait un passage à l'insuline le plus tôt possible. Le risque de décompensation, c'est qu'il y a un risque de décompensation.
D'accord? واضح ولا ايه؟ ماشي بريزونطاسيون على شوف فيتر. الو تسمع فيا ولا ايه؟ وي وي. ايه سي بون عديت تجي. Donc, dépister les hyperglycémies, donc il ne faut pas négliger un diabète déséquilibré. Donc, comme je l'ai dit, on va insister sur l'observance, la surveillance et le suivi régulier par son patient. Et comme je l'ai dit, on ne va pas hésiter à insuliner de façon précoce le patient. Et quand il dit, on fait l'insuline de façon précoce, alors quand tu as le patient avec l'insuline de façon précoce, tu vas préserver les réserves insuliniques nta'o باش تحافظوا على les réserves insuliniques nta'o معناها حتى اذا كان هو يستحق par exemple l'insuline مش يستحق دوزه كبيره d'accord باش تقعد له l'insuline endogène nta'o par contre اذا كان تخلي لاخر وقت هو il est en train d'épuiser ses réserves بعد il va utiliser ou il va nécessiter plutôt des doses importantes d'insuline et même حتى un protocole qui est par exemple un protocole qui intensifie basal bolus ce sera pas équilibré sur une petite dose d'insuline. Dans le cas interne, une petite dose d'insuline, je n'ai pas 8 unités en bedtime, on a une seule dose le soir d'insuline, et elle sera équilibrée. Femme-toi la notion, donc c'est très important d'insister sur une insulinothérapie précoce. Aman, femme-toi, c'est très important. J'ai une question écosse. Il faut éviter les facteurs de déshydratation. Donc, éviter de prescrire les diurétiques et la corticothérapie chez les patients diabétiques et surtout âgés. Dépister et traiter toute infection, même une infection banale, une infection cutanée, dentaire. Elle est où? Privilégier la vaccination antigrippale, car les sujets âgés diabétiques qui sont concernés par la vaccination anti-Covid. Maïa Wallé, mais c'est tout, Maïa? Allô? Oui, madame. Oui, madame. Oui, très bien. Donc, oui, madame. C'est très important donc, d'insister sur la vaccination en prévention, surtout au sujet âgé et diabétique. Et on doit, comme éduquer l'entourage, faire boire le patient de façon régulière. Donc, la seule chose, il y a un minimum de 3 ans pour le il y a un minimum de 3 ans. دونك يزم دي ما فهمش شكون يعس عليه ولا اون فيت يعاون فيه باش ما ينساش ما يشربش داكوغ سي بون واضحه الو وي مدام ايه علاش حبيت نقول لكم شكون عنده كيستيون يحب يسال الو مدام عندي كيستيون اتفضل قبل وقت سالتك على لي دوز نتاع السولينوثيرابي قلتي لي راه البولوس في واللي تعطاه هو الدوز 0.05 يونيتي بار كيلوغرام والبرفيزيون كونتينيو هي 0.1 في الكور مكتوب العكس بقى ان توكا احنا راهو في الكور مانيش باش نسالكم على الديتاي كمان هكا اي سوفي باش تعرف انت بشيخ ولا انسولين من الاول و دونك احنا جينيرالمون دو فاسون اربيتري باش نعطيو 10 يونيتي دونك 10 ا 15 يونيتي من الاول اون انترافينو ومن بعد باش نعطيو انتر 5 ا 10 يونيتي كل ساعة أبخي نتفقدو ونشوف دوك إيلي المهم لنا ما كنتش مشيتش دوني الديتاي هذايا أهم حاجة بالنسبة لي باش تقول الأنسولين أون انترافينو ديريكت إي أكت رابيد دوك كي تحفظ لي هذا سي لارجومون سوفيزون بالنسبة لي واضحة مش نسألك على الديتاي كو سوا في ليكوس ولا في ليكري باهي غدوة عندكم لي كومبليكاسيون لي هو ديابيت بربي حظر كوركم باش يكون انتراكتيف باش يصلح لكم هاكم بيانتو باش تعديو لي كاس وما تنساو تزيدو تقراو الكور نتاع الديابيت باش السيونس نتاع لونسينيمون فورميل غدوة العشية مع دكتور دربيل دبيبي تكون انتريسونت وباش تفهمو بها سي اون كوش باش تحضروها للاكزاما والديابيت ديما اكثر حاجة تجي في الاكزاما داكوغ في الاكزاما فينال نتاعكم باهي هذا شو نجم نقول لكم سينو عندكم سؤالات عندكم شي حاجه اخرى تحبوا تسالوا عليها اي اون فافير لا بي لاي مدام جوست كيسيون اخرى تفضل سيدي في الفورمول نتاع السمولاريتي هي دو زانا دو لانا بلس 10 بلس دو فوا اونتر بارونتليس انا بلس بلس اي دو فوا لانا بلس بلس 10 بلس الجليسيمي انت قبل قلتي بلس ليري اي
يا خد في مش مكتوبة في الكون معناتها اليوري ديما يدخل التكيب قادر فما شكون يحط اليوري وفما شكون يحط 10 الى سيمي اليوري ل 10 كي يحطوا 10 ما يحطوش بلس اليوري واضح انتوما حطوا الفورمول موجوده في الكوره نتاعكم ميساج خاطر هذايا الفورمول نتاع لو دي وكل مره كل واحد شو يقول هما فما بليزيور فورمول راه ومش فهمش حاجه غلطه فما حاجه صحيحه مي ما فهمش ديفيرونس كبيره ما بيناتهم راه داكوردو ميساج مش مشكله حط لي في الكوره نتاعكم بي دونك عبد الرزاق موجود عبد الرزاق مش موجوده بي أنس أنس هي اللي ناديتكم نورمال موجودة عمران موسى بريزون بي تري بيان إينيس سمعتها بكري إينيس آدم أبسو آدم القيس بريزونت وائل مش موجود بي إنساف أبسنت إنساف إيناس عبد المولى وني كيفاش نعرف إيناس الأخرى ولا إيناس هذي بريزونت أي باي تري بيان دونك إيناس الأخرى حطيتها بريزونت وني ما نعرفش إيناس سوا موجودة إيناس سوا وي مدام بريزونت باي ما سمعتكش إيناس خالد خالد موجود ولا إيه سيرين دونك سيرين سمعتك شيماء باي شيماء بريزون انغام موجوده وسيمه انا غيم مش انغام انا غيم سامحني انغام فما انغام وفما انا غيم موجودين مدام باي باي وسيمه وسيمه سمعتك بكري بريزون مدام ساره ساره موجوده مدام وي مختار موجود خلود وصلتي خلود absent إيمان سويري إيمان present très bien يعطيكم الصحة وغدوة مع 9:30 العشرة كالعادة بي المحل اللي عندي الكونتاكت متاع فيكم كان فما حاجة نبعث لكم نقول لكم بالضبط الوقت تاكوردو تنكونتاكتيكم أي سينو تتلقاو كما العادة على تيمز Oui. Bon travail, Sema. Merci. Sema.